Adila Sedraya, dite Indila, est une auteure-compositrice, interprète et productrice française, née le 26 juin 1984 à Paris. Après de nombreuses collaborations avec des rappeurs français, elle connaît un grand succès en France et dans le monde en 2014 avec son premier album solo, Mini World, qui lui vaut une victoire de l'album Révélation de l'année en 2015. Son titre Dernière Danse est la première chanson en langue française ayant dépassé le milliard de vues sur YouTube en mai 2023. Indila est discrète quant à sa biographie, elle estime être quelqu'un de banal et avoir envie de le rester. Elle se décrit toutefois comme une enfant du monde. Elle dit avoir des origines algériennes mais aussi cambodgiennes, égyptiennes et indiennes, tout en étant une vraie parisienne 5. Indila, qu'elle considère comme étant son deuxième prénom, vient d'ailleurs de sa passion pour l'Inde. Indila est influencée par de nombreux artistes comme Michael Jackson, Ismaël Lô, Buika, Warda, Jacques Brel, Edith Piaf et Lata Mangeshkar. Elle décrit son univers musical comme de la « variety world », sans préciser si ses morceaux s'inscrivent dans un sous-genre particulier, expliquant que « choisir », c'est renoncer. Elle chante en français, en anglais et même en hindi comme sur le morceau « Tug Mariage » de Rof. Sa rencontre avec Skalpovic est décisive, producteur, ex-DJ. Il l'introduit dans le milieu du rap et lui permet de faire des duos avec Rof, Youssoupha ou encore Soprano. Ensemble, ils composent le premier album d'Indila, Mini World, sorti le 24 février 2014. L'album se hisse en tête des ventes en France dès la première semaine. Indila se fait connaître grâce à des collaborations avec de nombreux artistes, comme Soprano, TLF, Rof, Nesbill, L'Algérino, DJ Abdel, Patrick Bruel ou Youssoupha. Elle fait paraître son premier single solo, Dernière Danse, le 13 novembre 2013, extrait de son premier album Mini World. L'album paraît le 24 février 2014 et est distribué par Capitol Music France. L'album est certifié disque de diamant en France et disque d'or en Belgique, avec plus de 260 000 exemplaires écoulés en juin 2014. Le single atteint la deuxième position des téléchargements en France. Elle fait paraître le vidéoclip de son nouveau single SOS, initialement tourné en Grèce. Indila atteint les sommets des ventes d'albums grâce aux concerts dans plusieurs pays non francophones comme la Turquie, la Grèce, la Roumanie, la République tchèque, le Monténégro, la Serbie. En Pologne, Indila est l'artiste ayant vendu le plus de disques en 2014, Dernière Danse étant la chanson la plus vendue de l'année. En mars 2014, Indila annonce la réalisation en cours d'un deuxième album. En octobre 2014, elle annonce une réédition de son album Mini World pour une sortie le 17 novembre 2014. Grâce à cet album, elle reçoit, le 13 février 2015, la victoire de la musique de l'album Révélation et annonce à cette occasion se retirer de la scène médiatique le temps de travailler son deuxième album. Après 5 années sans sortie d'album et de single, Indila annonce le 20 août 2019 via ses réseaux sociaux son retour avec le single Parle à ta tête. Le titre sort le 23 août 2019. Le clip de cette chanson est sorti le 14 novembre 2019. En avril 2021, le single Carousel d'Amir est en duo avec Indila. En janvier 2023, Zao dévoile le titre Roi de cœur en duo avec Indila, sur son album Résilience. Tournée dans le vide a connu une nouvelle popularité quand des fans d'Andrew Tate, roi de la masculinité toxique, assumée, l'ont reprise dans des mèmes sur TikTok. En mai 2023, sa chanson Dernière Danse devient le premier clip musical francophone à dépasser le milliard de vues sur YouTube, popularisé par les centaines de milliers de reprises sur des vidéos TikTok.